actions concrètes vont donc très rapidement être entreprises par les autorités pour réhabiliter ce site et relancer l'activité agricole locale. Le ministre de l'Agriculture, qui faisait lui aussi partie de la délégation, s'est voulu rassurant au micro de nos reporters Joyce Lorna Wangi et Richard Mobiwa. Redynamiser le secteur agricole au Gabon afin de contribuer de façon significative à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, c'est l'objectif à atteindre par les autorités du pays. D'où cette visite du président de la transition qu'accompagnait le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture sur le site de la ferme agricole de Ntoum. Ici, ce sont près de 350 hectares de terre et des équipements installés en 2012 qui sont restés jusqu'alors à l'abandon et qu'il faut à tout prix reprendre. Le président a décidé de maintenant de relancer le projet, de mettre les moyens pour que le site reprenne vie. Mais le plus rapidement possible. Le président nous attend déjà à son cabinet, le Premier ministre et moi, et notre technicien, pour définir qu'est-ce qu'il faut comme argent pour relancer rapidement les activités. Après les multiples projets agricoles lancés à grande pompe et qui ont déjà coûté plusieurs milliards de nos francs à l'État, osons croire que cette visite va donner un véritable coup de pouce pour le redémarrage effectif des activités agricoles qui vont par la même occasion générer de l'emploi et réduire le